À l'occasion de mon lancement sur Twitch, je voulais faire une vidéo sur les lives. Bon voilà, ça drop direct, hein, je vous le dis, je me lance dans les streams. En même temps, regardez mon setup, il a fait un petit globe de zinzin en vrai. Enfin bref, voilà, le lien est dans la description. Et si tu regardes cette vidéo dans les premières heures, il est fort probable que je sois en stream en ce moment. On commence très fort avec les hot tubes, j'en avais parlé très rapidement dans ma vidéo sur les sims. Et puis le concept, bah c'est tout simplement des sub goals pour que la meuf se retourne. Encore une fois, même claquer 10 balles dans un skin Fortnite, c'est plus utile que ça. Et encore une fois, souvent, ceux qui font des dons, c'est des énormes dalleux comme lui. Ce mec-là a dépensé 62 000 balles dans un OnlyFans. Je sais pas si on s'en rend. Bref, passons maintenant aux plus gros arnaqueurs de cette terre, surtout sur TikTok, qui sont prêts à faire semblant d'être hospitalisés pour gratter un peu de sous. Non, sérieusement, les tactiques sont folles, hein, parce qu'il y a les live NPC, j'ai envie de dire un peu classique, mais il y a plein de concepts qui sont mis en place pour savoir qui peut avoir le meilleur chèque. Ceux qui font semblant de galérer à mettre la dernière carte sur un château de cartes pour retenir l'audience. Ceux qui font des versus et qui pètent un câble par la même occasion. Et il y a ceux qui juste supplie de faire des dons, il n'y a même plus d'effort. Ensuite, on va parler des énormes puants. C'est-à-dire que quand ils ne live pas, ils mettent des redifs de live. Le mec ne veut jamais quitter l'application. Ça fait peut-être 28 jours qu'il est en live, il en a rien à foutre. C'est comme les mecs qui dorment en live, mais t'inquiète pas, hein, ta communauté, elle sera toujours là demain. T'as pas besoin de dormir en live. L'ASMR aussi, les gars, si c'est pas un truc de fou quand même. Attention, moi je parle de cet ASMR-là, c'est gothèse. Franchement, je suis désolé, hein, mais faire saturer son son en Big 2023, c'est le prime de l'humour. Franchement, un bon Mr. Lust avant de se coucher, ça fait toujours plaisir. On continue avec les mecs qui sont prêts à absolument tout pour les stats. Le frérot, il serait prêt à se brûler au 3ème degré pour 3 subs. C'est ce genre de sub goal aberrant où à 2000 followers, le mec qui se jette d'une falaise. Non, je sais pas qui est le pire entre ça et les mecs qui lisent pas ton dos s'il est en dessous de 500€. Mais après, si tu donnes plus de 500, t'as le droit à un petit merci, franchement, psarté. Il y a les speedrunners aussi qui live, alors pourquoi faire? Certes, j'avoue, c'est impressionnant de voir un mec fumer un jeu comme Mario 64. Mais là, toi, tu regardes juste un bug en train de se la buter, hein. Il regarde pas son chat, il s'en bat les couilles. Oh, les VR chat, alors là, eux, j'ai failli les oublier. Ils aiment trop mettre des personnages d'animé super mignons à la place de leur tête, ça cache quelque chose. Genre, frérot, dis-le juste que derrière, c'est un modo Discord de 160 kilos. Bon, après, je dis ça, mais moi, je montrerai pas non plus ma tête en stream, vous savez pourquoi. Mais moi, j'ai une théorie sur les VTubers quand même, que c'est tous des dégénérés bandeurs du Japon. Il y a même eu une fois un concert de VTubers, c'est une dinguerie de faire ça. La plateforme Kick maintenant. Maintenant, quel énorme flop. Il nous avait promis une meilleure rémunération, une révolution du streaming. Au final, là-bas, il n'y a que des dégénérés et ça joue tout le temps au casino. Parce qu'en fait, à la base, Kick s'est fondé avec des jeux d'argent. Donc, c'est vraiment juste une version Wish de Twitch et c'est pas ouf. Alors certes, ça fait extrêmement chier d'aller sur un stream et de se taper 5 pubs d'affilée, mais c'est un très bon moyen pour que Twitch continue à vivre. Je vous ai fait un sondage sur YouTube pour savoir si vous vouliez des vidéos plus longues. Et bon, là, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. Mais du coup, voilà, ça changera un peu de style de vidéo d'habitude, parce que si je faisais des vidéos comme ça de 8 minutes, je ferais que me répéter et j'utiliserais toujours les mêmes mèmes. Donc je vais réfléchir à un concept plus long du même style qui pourrait vous plaire. Sur ce, en tout cas, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Nouveau jury, on soit mauvais payeur, pas de frayeur, mais je sais que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, on s'est un simple nouveau payeur. Si j'arrive, je fais un dawa, je m'en garde la loi, je suis un jeune à la boucawa.